Mais actuellement, qui sait qu'actuellement il vit en toi? On peut dire il est ici, mais il vit en toi. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que dans ce travail-là, tu n'es pas bien assis dans la tête de la société générale. C'est pour ça que je, mon entourage, c'est ce qu'il dit à toujours ceux qui sont chez moi, soyez bien moi. Voilà. Sinon, il te vit en elle. C'est ce qu'il veut que tu touches. Le fait que vous êtes déménagé, qu'elle a échoué, il est venu s'incarner en toi. Il est là, mais il vit en toi. Combien? Oui, c'est ça. Oui, mais pourquoi ta maman, tu l'as maquée? J'ai peur qu'elle m'abandonne. Ah. Mais puis tu la maltraites. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un veut t'aider, tu joues? Faut t'asseoir. Moi, je ne protège pas sorcier. Avant de venir, c'est là qu'il a fait des aveux. Donc j'ai dit, c'est parce qu'ils ont échoué qu'on l'avait envoyé ici. Son papa dit non, sa maman est dedans. Il dit, mais. Pourquoi tu toi tu veux faire un travail à ma place? Pourquoi? Si tu sais le délivrer, tu le prends et tu vas le délivrer. Voilà. Je sais bien faire le travail. C'est parce qu'ils ont échoué là-bas. Tout ce qu'il a dit là-bas, ils ont échoué. C'est pour ça que vous l'avez envoyé ici. Laissez-moi gérer le dossier. Puis s'excuser. Il me montre une vidéo des aveux qu'il avait déjà fait. Il dit, moi, il ne tient pas compte de ça. J'ai un détecteur. Je vais délivrer sorcier et puis je reçois le pouvoir. Moi, j'ai ce pouvoir. Ce n'est pas de l'orgueil, j'ai reçu cette fonction et c'est mon travail. Ça fait plusieurs années, bientôt 10 ans que je travaille. Depuis 2006, j'ai commencé depuis Guéillo, Soubré, c'est en 2009 qu'ils ont commencé à parler du prophète, dans les journaux, 2009. Ça fait longtemps. Ça fait bientôt 10 ans. En 2016, ça fera 10 ans que j'ai ça. Je travaille. Sinon, j'ai reçu ce don depuis 98. J'ai commencé en 80, en 2006. Où j'ai rencontré les sorciers les plus terribles de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a des vidéos sur vous montre, ça vous choquer, vous allez le copier, les avaient un homme. On a commencé à faire de YouTube en 2012. Des vidéos récentes. Sinon, depuis 2006, on a des vidéos, on a des éléments. Il y a des choses qu'on ne filmait pas parce que pour nous, on faisait qu'on passait. C'est après que certaines personnes ont dit qu'il faut essayer de poster des vidéos pour que la diaspora puisse prendre conscience de la réalité de la sorcellerie. C'est comme ça qu'on a commencé. Et quand on a commencé, on a vu qu'on a commencé à gagner nos parents qui avaient peur de l'Afrique. On a commencé à avoir confiance à l'Afrique. Et c'est comme ça, sinon, depuis 2006, on a commencé le travail. Je suis allé dans une tombe arracher un passeport, ça n'a pas mis ça sur le YouTube. J'ai parlé avec un sorcier de mon ancien début dans un village, il a saigné du nez de la bouche, ça c'est pas sur le YouTube. On a eu tellement de vidéos. Amen. On ne fait pas des vidéos pour filmer, mais pour donner un enseignement aux gens. Chacun son don. C'est ce qu'il dit aux gens, tu peux ne pas aimer Crasso, mais ce qu'il est fait, si tu n'aimes pas ça, c'est que tu es sorcier. Je n'ai pas oublié d'aimer ma tête. Si tu peux, il ne faut pas m'aimer. Mais le sujet de la sorcellerie, là, c'est sérieux. Ça n'a rien à voir avec Crasso. Tout le monde. Amen. Le sujet est sérieux, ton fils. C'est pour ça qu'il met du temps. Quand il met du temps pour ne pas. Et puis, il ne vient pas ici là. Pourquoi il me fout de vous? J'analyse des dossiers et je suis en prière. Vous avez vu maintenant, donc, que sorcier me dit, c'est moi qui guette. Je veux le délivrer. Je réfléchis comment chasser son démon. Lui, il réfléchit comment aller me gorger dans ma chambre. On dirait à Boukari le boucher. Tu as donné boucher, tu viens me gorger. Moi, il réfléchit comment le délivrer. Pour le rendre propre. Lui, il réfléchit comment aller me gorger. Vous comprenez? Voilà. Mais Jésus dit à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Va t'asseoir. Le soir, la veille, on fait la délivrance. Ça sera en direct. Il y a des choses, si tu n'as pas dit, petit. Si je te laisse, il faut réfléchir. Si tu n'as pas dit des choses que je t'ai attaqué ce soir, ah, c'est fini pour toi. Ils ne sont même pas les gens sous la pression, on ne backsonne pas les gens. Oh, petit, viens ici. Qui était là le jour et mettait la main sur le petit?
l'esprit sorcier. Hein? Il a dit, ah, l'esprit sorcier. Il n'a pas dit ça. Hein? Je lui ai dit, dégage. Mets-toi là. Le détecteur t'a pris. Hein? La dernière fois, je t'ai pris ici. Là. Prends le micro. Prends le micro. Quand il te disait de venir là, t'as dit quoi? Prends le micro, hein. Il a dit qu'il n'était pas sorcier. Et pourquoi? Pourquoi? J'avais honte. Hein? J'avais honte. Qu'est-ce qui a fait que je t'ai pris? Qu'est-ce qui a fait que je suis allé? Vous voyez, il y a des gens qui ont la sorcellerie, ils sont assis, ça ne me dérange pas, ils les regardent. Je vais doucement, doucement, puis je gère le dossier. Mais quand tu veux m'agresser, non, je suis obligé de te prendre. Laisse comme ça. Ils ne peuvent pas parce que c'est consacré. Mais ils essayent. Ils font tout. Ça les retient, mais ils font tout. Se débattent. Mais ça n'ira pas quelque part. C'est ça le danger du ministère. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, vous n'aimez pas que je dis sorcier. Je préfère même pas parler de ça. J'ai parlé où on donne l'argent. Envoyez l'argent, Dieu va vous bénir. Qui t'a donné offrande, Dieu va te bénir. Là, vous aimez aussi là-bas. Amen. Et c'est là où vous pouvez donner l'argent. Nous qui nous nettoyons bien, bien là. Nous, on ne connaît pas l'argent. Il hein. Fait de faire des livres de quelqu'un, ça au Ghana, il va donner l'argent. Il dit, hein. Oui, je t'écoute. C'est une fille qui m'a donné la société. Hein? C'est une fille qui m'a donné la société quand j'étais en classe de 5e à Djégonifla. Hein? C'est une fille qui m'a donné la société quand j'étais en classe de 5e à Djégonifla. J'habitais chez son fils et puis un jour je suis tombé malade. Elle a préparé des feuilles qu'elle a mis dans l'eau. Elle a dit d'aller me laver avec. Écoutez très bien. Quand je me suis lavé avec, elle m'a dit de ne pas essuyer l'eau. L'eau qui était sur mon corps. Donc à mon retour, elle a pris des feuilles, elle a grillé et puis elle m'a tassé, elle a mis dedans. Elle a mis ça dans mes épaules. Et puis aussi, elle a fait 10 traits ici. Vous savez où les traits? Elle a fait 10 traits ici, mais il est sur toi. Mmh. Elle a mis quoi dedans? Elle a mis des poudres là, dans des poudres noires. Et puis elle a fait 6 traits ici. Mais il reste 4 ici là. Et puis elle a fait les dessins ici, mais on ne voit plus les dessins qui sont ici là. Et puis le soir, elle m'a envoyé d'aller acheter de la sucrerie Coca-Cola. Donc quand je suis parti acheter, j'ai envoyé un des trois garçons dans la cour. Il y a un qui s'appelle Fernand et puis l'autre s'appelle Tanguy. Elle nous a donné un poids, on a bu le soir. Elle est venue dans notre chambre. Et puis elle a pris nous trois fois chacun. Et puis elle a attrapé nos mains, on s'est retrouvés dans un autre monde. Arrivé là-bas, elle nous a donné de la nourriture. Et elle a bien été, on a mangé. Et puis elle nous a donné du sang, on a bu. Et puis après, elle nous a dit que ce que vous venez de manger, vous avez bu là, ça vient de mon fils. Son fils, il s'appelait Philippe, il venait d'Abidjan. Donc elle a dit, quand vous avez fini de manger là, chacun doit envoyer un de ses parents. Maintenant, moi, elle est venue vers moi, et puis elle a dit, toi, c'est ta maman qui doit envoyer. J'ai dit non, que je ne peux pas envoyer ma maman, c'est tout ce qui me reste sur la terre ici. Et mon père n'est pas au-delà de moi. Donc il ne peut pas faire ce sacrifice là. Et puis quand ça joue, sage, arrête tes conneries. Depuis que Sergé est sage, il dit non, il n'est pas envoyé ma maman. Tant même pour les gens, depuis que Sergé a raison comme ça, non, c'est la seule qui me reste. C'est la seule là-bas, on demande c'est d'où. Celle-là, mais c'est comme Mirou. C'est bien tout dans sauce. Vous voyez quoi? Non, c'est la seule du mort. Vous voulez arranger ça, joli? Oui, allons-y. Donc, tu ne peux pas faire ça. Elle m'a dit, comme tu ne peux pas faire, il faut la programmer pour novembre. Donc, j'étais obligé de la programmer pour le mois de novembre. Et puis, elle a dit, comme tu n'as pas voulu la tuer, tu vas devenir mon esclave. Là où il va t'envoyer, si tu refuses, il te tue, toi, tes petites soeurs avec ta maman. Donc, tout ce qu'elle me disait de faire, j'étais obligé de faire. Mais elle a dit ça, joli, non? On dit que lui-même n'a rien à voir, hein, mais c'est lui. Sorcier. Il est innocent. Il est sûr. Où est ta maman? Viens. Je veux que ma mère soit graine. Il y a dignité dans la dignité. C'est quoi, Dini? Ta maman, où elle a tué? Hein?
Tu es prêt à parler maintenant? Hein? Si je te donne le micro, tu as parlé. C'est que tu as fait vrai, vrai là. C'est ce que tu as dit. Je vais entendre. Viens ici. Monsieur, monsieur. Laisse le monsieur. Tu l'attaques. Oui, c'est lui qui veut tuer. Tu as mis ton verre, ton livre. Or, il y a ce que vous avez bien compris, non? On l'a programmé. Ok. C'est bien sorti, on l'a programmé. Or, si on ne vient pas déprogrammer ce qui a été programmé, Anova va mourir. C'est tout le cas de la dame. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Hein? On peut pas. Non, laissez le discours, on perd à côté. On prie pour toi maintenant, c'est ça? Bon, mets une bouteille dans les deux cartons. C'est pas ce que je voulais entendre. Tu l'as venu une fois ici. Non, mais tu jamais venu. Non, tu dis qu'il était venu une fois. C'est pas ce que je veux entendre. Il t'a programmé. Ouvre la bouteille. On dit l'enfant dit qu'il t'a programmé. On fait comment? Ah, mais tu dis qu'il était venu une fois. Maintenant, on dit. Tu dois manger, on doit te manger en avant. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on arrive à sauver des gens, tout ça. Je vous informe, hein, si vous venez avec un parent sorcier ici, je vais l'attraper. Si je l'attrape, vous mettez entre vous et moi, vous-même, je retourne ça contre vous. Et demandez aux sorciers de vos villages de vous manger. Non, c'est comme ça. On n'est pas camarade d'un sorcier. C'est comme sa dame, je l'ai vu la dernière fois dimanche. Hier, j'ai causé avec elle dans le bureau. Elle a commencé à danser, danser. Je lui ai dit, stop. Tu veux te faire délivrer? Tu veux te faire délivrer? Ça va, tu es fâché ou bien? Tu es fâché? Je suis pas fâché. Hein? Je te demande, tu dis, mais... Je suis pas fâché. Tu veux te faire délivrer? Tu veux te faire délivrer? Je te pose une question. Tu veux te faire délivrer? Mmh. Ok. Annette, tu as la faire manger le micro. Là. Elle a déjà fait un thé là comme ça. Il attend un peu. Moi, si vous voulez, laissez vos sorciers là-bas chez vous. Si la sorcier ici, si j'ai vu, je prends. Je vous ai dit, ce n'est pas le visage, il regarde. C'est mon détecteur. Il n'est jamais en panne. C'est un don. De toute façon, je localise, ben, je prie, ça me dérange, ça me dérange. Quand ça dit, prends, je prends. Vous délivrez. Maintenant, si je suis en train de délivrer vos sorciers, que vous mettez dans la danse, je laisse dire les sorciers du village. Les sorciers me bougent, hein. Je dis manger, ils vont les manger, ils ont faim. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça. Un sorcier pour le délivrer. Si tu es venu essayer aussi ici, tu vas partir à la mort. Ici, on ne veut pas pour essayer. Quand tu es malade, la sorcellerie, tu viens, c'est comme la jeune fille là. Je l'appelle le temps d'enfant pour avoir de ses nouvelles. Elle s'est dépêchée. Toi, tu as besoin. Il dit, sorcier, il faut qu'on m'aide la sorcellerie. Il dit, oh, tu es courageux. Viens manger demain. Manger et gâter. On l'a délivré. Oh, la sorcière, c'est une maladie. Si vous ne voulez pas rester chez vous avec vos sorciers, si vous l'avez envoyé ici, que j'ai détecté la sorcellerie, je prends. Pour délivrer, au fait, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Que le prophète Crasson n'a jamais divisé les gens. Même si le Seigneur vous divise, je m'en fiche. L'objectif, c'était quoi? C'était pour vous délivrer, hein, d'un sorcier, la main d'un sorcier. C'est tout. Mais si ça devient objet de dispute dans vos familles, ça ne m'intéresse pas. Quand vous allez mourir, là, hein, ben, le sorcier ne s'amuse pas, hein, de tout. On peut prier pour toi. Lève-toi, jeune homme. Voici la partie sacrée du ministère. Tu as fini de parler? Oui, voici la programmation que tu as fait là. Alors, il faut parler, puis maintenant je vais prier. On va programmer pour le mois de novembre. Qu'est-ce que tu as mangé le 15 novembre? Maman, on t'avait. Maintenant là, je te programme. Maintenant, moi, j'ai pris, puis je mets lui pour dire, maintenant, c'est fait. Ce qui vient de dire là, ok, c'est fait.
Maman, on t'avait programmé pour le mois de novembre. Tu as sentiment? Prends un micro, parle. Combien tu veux pas la déprogrammer? Annette, ton pied, ton pied. Maman, on t'avait programmé pour le mois de novembre. Aujourd'hui, je déprogramme ça. C'est pas tout? Tu veux faire quoi? Où est-ce que t'as bien l'année de partir? Tu vois son capri? Je vais bébé sous ma tête. C'est la parole. Je dis, connaîtrez la vérité, vous affranchira, vous rendra libre. Je te libère au nom de Jésus. Pour au travers de cette passion, ton âme soit totalement libérée. Je te programme tout ce qui a été programmé sur toi. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, t'écoute, allons-y. Mais dis, je n'ai pas le temps, j'ai veillé tout à l'heure le soir. Et puis, elle m'avait envoyé chez un de ses fils. Qui t'avait envoyé là-bas? La vieille. Et puis, elle m'a dit d'aller gâter son fils. Pour ne pas que réussisse. Son fils, elle s'appelle Yves. Donc, un soir, elle m'a donné une poule que j'ai attrapée. Et puis, elle m'a dit de dire son nom trois fois. Quand j'ai crié son nom trois fois, son âme est sortie de son corps. Et puis, son âme, j'ai donné la vie. Vous ne pouvez pas combattre les sorciers. Pourquoi vous ne pouvez pas faire combattre les sorciers? Chaque jour, j'en gagne les gens. C'est des terroristes. Terroristes, les gens, là. Et vous voulez même pas qu'on parle du sujet, non? Laissez ça. Vous venez à la télé, en allant en Israël, tous les pasteurs, en se promener, voir la bonne vie de Jésus. Mais Jésus n'est pas dans le tombeau, qui sait pas ça? Qui sait pas qu'on l'a baptisé dans le Jourdain? Qui sait pas tout ça? On va se rassembler en tant que pasteur, réfléchir. Pourquoi tu le sors de nos fidèles? Il faut que Dieu nous donne l'onction. Pour qu'on soit capable de délivrer nos fidèles. Et qu'on réfléchit, le problème c'est la sorcellerie. Comment faire front et combattre le fléau? Ça nous intéresse pas. On a venu faire réunion, chaque pasteur a une maison. Moi, il est venu assister à cette réunion. Ça m'intéresse pas. Amen. Si je fais l'œuvre de Dieu, bien, il va me donner maison. Amen. Si je fais l'œuvre de Dieu, Dieu vient te bénir. Amen. Moi, j'attends mon temps. J'attends mon temps. Moi, ma prière, il faut que les sorciers soient terrassés. Amen. C'est tout. Amen. C'est ma prière dès que la sorcellerie de la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. C'est pour ça que je parle au Cameroun. Ça m'intéresse le Cameroun, le Gabon. Le Gabon, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, le Congo, Brazzaville. Tous ces pays, nous devons les visiter, le Kenya. Nous devons visiter le Kenya, visiter toute l'Afrique. Libérer l'Afrique de la présence de la sorcellerie. Amen. Je te compte. Et puis elle m'avait envoyé chez une de ses filles qui s'appelle Myriam. Elle s'appelait Myriam. Elle m'a dit d'aller chez elle pour la tuer. Elle m'avait donné encore la même poule que j'avais pris pour gâter son fils. Maintenant arrivé là-bas, j'ai dit son nom trois fois. Quand elle est sortie, son âme est sortie, j'ai transformé son âme en cabri et puis je l'ai égorgé. Ouais. Et puis je lui ai envoyé ça là-bas. J'ai envoyé ça sur la veille là. Et puis, quand on a préparé, elle m'a donné la tête et le cœur pour manger. Et puis, après, elle m'a dit d'aller garder la femme de mon oncle, qui est dans le village paternel de ma maman. Donc, arrivé là-bas, je suis parti chercher sur elle et puis je l'ai commandé avec. Et puis j'ai transformé un cheval quand la tête. Viens, toi en rouge blanc. En rose, oui, toi en blanc. Oui. Tu es là, tu es venu, deux semaines. Ici? Et vous avez deux semaines qui étaient ici? Oui. Vous sentez ici? Oui, moi. Là-haut? C'est déjà deux semaines. J'envoie une corde pour t'attacher. J'envoie les sorciers. Les sorciers. Où il est? Il t'a dit qu'il t'attachait?
Il t'a dit ça. Oui. J'ai vu dans le corps de l'autre tout à l'heure. Ça fait des semaines de temps. Oui. Tu es où tu viens de Tu as travaillé ta main. Qui t'a donné? Hein? Comment il a fait? Ah, il t'a donné quoi à manger? Ah, il t'a donné à manger. Qui mange pas? Pour parler. Mon grand-père il était sorcier. Maman, elle m'a attachée. Et pourquoi tu attaches, maman? Est-ce que maman est là pour qu'on l'attache? Petit, pourquoi tu peux attacher ta mère? Comment tu as su ça? Pourquoi tu l'as pas ici? On a vu, c'est sa tante qui m'a appelé pour dire qu'on les a attrapés à l'église. Ils sont de AD, Assemblée de Dieu. Elle m'a appelé, il y a un prophète qui est allé là-bas pour chercher qui les a attrapés. C'est comme si j'ai allé le chercher pour l'église. Pourquoi n'a pas dit? Ils n'ont même pas. Ils sont venus chez lui, le pasteur avec eux. Lui-même, il m'a dit que le pasteur avait été petit. Donc, tu es garçon. Sorcellerie.
puissance de Dieu écrase ton pouvoir. Comment ça s'appelle? Dans les micros. Quand je t'ai touché, t'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Hein? Un serpent. Oui. C'est, tu faisais comment? Tu n'as pas senti le feu te toucher? Le feu te touchait. Le feu t'a touché. Oui. Ça fait comment? Non, le feu d'abord. Comment, quand il t'a touché? Ça a commencé à brûler dans ma tête. Comment le feu t'a touché? Comment le feu t'a touché? Il dit tous les pasteurs ou les pâtés, les gens, c'était... Ma petite fille. Tu es parti chez... J'aime pas qu'on banalise la paix de Dieu. Non, Jésus est fort. Pour qu'un petit bonhomme sorcier banalise le pouvoir de Jésus. Hein? Tu as fatigué les pasteurs? Tu disais quoi? Mais, on donne Jésus le feu, tu fais quoi? Tu tapes la tête du pasteur. Hein? Quand il y a de Jésus, tu fais comme ça. Hé, hey, pasteur! Oh, les autres, sont sérieux. C'est comme ça. Comment tu arrives? Pasteur? Fais! Hé, pasteur! C'est comme ça. Tu tapes la tête. Tu fais comment? Oh, toi, pasteur, prie. Tu sors de ton corps. À l'église. Puis tu fais quoi? Comment tu fais? Ta nique là. C'est comme ça. Il tape le pasteur. Et puis le pasteur fait quoi? Il ne voit pas. Il ne voit pas. Oh, toi, t'as donné le Bogota. C'est terrible, hein? Je détruis ses énergies. Comme! Allez! La puissance de Dieu. Feu! Feu! Allez! Feu! Lâche! Lâche-la! Feu! Je te consume, Kazel! Feu! Je te délie maintenant, la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Lâchez sa vie au nom de Jésus. Vous la libérez maintenant même. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâchez-la. 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 Lâchez-la au nom de Jésus. Feu. 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 Le feu consume tes œufs. Le feu consume tes œufs. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères son âme maintenant même. Tu libères sa vie à la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu lâches sa vie maintenant même. Feu! Parlez! Jésus te délivre. Jésus te délivre, ma fille. Jésus te délivre maintenant. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment? Feu. 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 Allez. Feu. Feu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Te délivre maintenant, ma fille. Le feu. Le feu. Feu. Allez! Allez! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je délivre maintenant. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Maintenant là. Maintenant là. Je libère ton âme. Le feu sur toi.
Le feu. Le feu. Te libère ton nom. En puissant Jésus. Te libère. Maintenant. 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 Oui, maintenant. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Maintenant. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Et maintenant même, dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Elle te libère la puissance de Jésus. Oui. Sa puissance te libère. Oui, la puissance de Dieu te libère. Oui. Le feu. Le feu. Lâchez sa vie. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. De Jésus. Au nom de Jésus, tu pars. Esprit de mort. Va-t'en. Va-t'en. Va. Va. Allez. Feu. 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 Va-t'en. Lâche-la. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. C'est un ordre. Tu pars et maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. 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 Feu. Vaincu tu es. Au nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Oui, va-t'en. Oui, va-t'en. Oui, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Lâche-la. Éternel. Lâche-la. 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 Feu! Le feu sur toi. Dieu l'a extrait. Oh. Va-t'en. Esprit de mort. Tu vas lâcher son âme. Tu vas libérer sa vie. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Tu pars. Tu pars maintenant même. Et tu libères totalement sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Feu. Feu. Allez. Feu. Feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus, consume tes œuvres dans ces temps. Le feu consume tes œuvres. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Lâche-la. Relâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Tu libères son âme. Lâche-la. Va. Va. Va-t'en. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Va-t'en. Va. Quitte. Lâche-la. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et on continue avec les appels.
Tu es délivré, c'est fini, tu es délivré. Continue avec les aveux. Oui. Et puis, elle m'avait envoyé chez la femme de mon oncle. Oui. J'ai acheté chez elle et puis je l'ai commandé. Et puis, quand elle m'envoie en méchant, c'est sur elle qu'on était en partie. Une fois, elle m'avait envoyé dans un village d'Oli à Tabou pour tuer un peu avec sa fille. C'est tout? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux être délivré. De quoi? Quoi? Allez! Feu! 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 Je détruis ton pouvoir. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Tu quittes ce corps maintenant même. Tu m'entends? Quitte ce corps. Quitte ce corps. Oui, quitte ce corps. C'est un ordre. Un ordre. Un ordre. Maintenant même. Tu quittes ce corps. Quitte ce corps. Feu! 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 Allez! Feu! Feu! Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Feu. C'est l'esprit qui est en lui qui faisait de lui sorcier. Donc il va beau parler, il a fait des aveux. Si on ne chasse pas le démon de la sorcellerie, il demeure sorcier. Or, c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire. Et nous donnons à Seigneur cette mécanisme. C'est-à-dire quand le sorcier finit de parler, ok, il brise un pacte. Parce que chez eux, on ne doit pas dire tout ce qu'on a fait là-bas. Infini, il faut chasser le démon qui est en lui, qui fait de lui pour posséder de l'esprit de la sorcellerie. Feu! Tu le libères et maintenant dans le nom de Jésus. Feu! Le feu sur toi. Allez! Feu! Le feu sur toi. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Feu! 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 Le feu dans tout ton corps. Le feu te consume. Le feu te consume. Le feu te consume. Le feu te consume. Feu! Vous voyez que le diable est vaincu face à la puissance de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est ce monsieur qui se lève la nuit, il va tuer les gens. Et face à la puissance de Dieu, il est neutralisé. C'est ça le pouvoir de Jésus. Amen. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Feu! Le feu consume tes œuvres dans ce cas, esprit de la sorcellerie. Il a beau parler, faire des aveux. S'il n'a pas été délivré de ce démon de la sorcellerie, il devient sorcier. Lâche-le. Quitte ce corps. Et va-t'en. Va-t'en. Tu m'attends, va-t'en. Quitte son corps. Le feu sur toi. Allez. Le feu sur toi au nom de Jésus. Quitte ce corps. Feu. Je compte à trois et tu pars. Tu m'attends. Je compte à trois et tu quittes ce corps. Un. 2 3
Personne n'est parti. Vous voyez comment l'esprit est en train de se débattre. Voilà. C'est la force de Dieu. Vous allez chercher le fétiche. Faites-moi partir la grande Jésus. C'est parti. Amen. Acclamez Jésus. C'est très bien. Je mets la vie claire dans la puissance de Dieu. Monsieur. Monsieur. Monsieur est touché. Monsieur est trop atteint. Ah, il atteint. Vous n'avez pas essayé aucun pouvoir. Vous envoyez la nonne, bon. Il y a les chambres des gens. Ça va? Ça va?